Leçon numéro 2. Comprendre la vision, deuxième partie. Le Hub est à la fois une communauté chrétienne et un mouvement d'évangélisation. L'objectif est très simple. Faire en sorte que les gens découvrent Christ et fassent de lui le Hub de leur vie. Voici comment le ministère Hub est organisé. Il y a le Hub, c'est le cœur de la communauté du mouvement, que nous avons couvert la dernière leçon, et les maisons Hub, c'est le corps de la communauté et du mouvement. Cette leçon sera sur les maisons Hub. Les maisons Hub sont des rassemblements de croyants créés par les hôtes des maisons Hub dans le but d'une communion fraternelle et pour faire de l'évangélisation. Chaque maison Hub est unique, ayant sa propre saveur et sa propre portée. Les hôtes des maisons Hub sont formés et soutenus par le Hub. Elles comportent trois éléments clés. Un mode de vie rempli d'amour et d'évangélisation, l'hospitalité biblique et la constance et la redevabilité. Amour et évangélisation comme style de vie. L'élément clé de chaque maison Hub est l'amour. Notre évangélisation n'est pas simplement basée sur la prédication, mais sur le style de vie. L'hospitalité biblique. La définition biblique de l'hospitalité consiste à traiter de la même manière les étrangers et les amis, tout en répondant à leurs besoins immédiats. La constance et la redevabilité. Rien n'a du succès sans constance. Les hôtes doivent s'engager à leur maison Hub pendant au moins 6 mois. Ils doivent également être redevables au ministère Hub et, du mieux qu'ils peuvent, maintenir un style de vie conforme aux Écritures. Bâtir une équipe. Chaque maison Hub doit avoir un minimum de 2 hôtes. Il peut s'agir d'un couple ou d'une équipe de frères et sœurs en Christ. Ecclésiastes 4, verset 9 nous dit « 2 valent mieux qu'un ». Et Luc 10, verset 1 nous dit « Après cela, le Seigneur en désigna 70 autres et les envoya 2 par 2 ». Récapitulons. La responsabilité du Hub envers nos hôtes. Nous les équipons. Nous nous engageons à assurer une formation continue. Nous fournissons des outils de ressources. Nous envoyons des ministres pour enseigner la parole de Dieu dans chaque maison. Nous créons un réseau pour tous nos hôtes et ministres. Nous organisons des événements locaux pour rassembler les membres des maisons Hub pour fraterniser et évangéliser. Les hôtes des maisons Hub envers le Hub, ils sont redevables au Hub. Ils restent engagés à la mission de gagner les âmes. Ils sont prêts à recevoir les ministres du Hub dans leur maison Hub. Ils utilisent les outils et les ressources fournies par le Hub. Comme nous l'avons mentionné au début, le Hub est le cœur du mouvement. Il pousse le sang dans tout le corps, lui donnant vie et énergie. Les maisons Hub forment le corps du mouvement. La vision est un retour au type de ministère du livre d'Actes des Apôtres, où le Saint-Esprit se manifestait dans chaque maison. Au Hub, nous sommes convaincus que cela fera partie du mouvement du dernier jour du Saint-Esprit sur la terre.